tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur du Dofus, donc sur la bêta, donc pour la présentation du stuff de mon cra, donc un tout nouveau stuff. Donc on va commencer tout de suite par la coiffe. Donc j'ai pris une coiffe Mrs. Freeze, donc très beau jet. Une épée carry qui est aussi très beau jet. Un MG Rock pour avoir 10 PA. Voilà, aussi très beau jet. Une cape logis pour avoir beaucoup de force, parce que le but de cette panneau c'est d'avoir beaucoup de force. Bon, là c'est écrit 1200, mais en fait j'ai aussi beaucoup de pourcentage de puissance, voilà. Donc 182 puissance, c'est pas mal. Ensuite j'ai pris le compost parce que j'avais pas assez de camo pour prendre la piyoute. J'ai pris la panneau brousse, donc toujours très beau jet. Hop, toujours essayer d'avoir le maximum de force. Donc voilà. Ensuite j'ai pris la crâle à mention parce que j'avais pas assez de camo aussi pour m'acheter des bonnes amus qui donnaient beaucoup de terre. Donc je me suis dit je vais prendre une bonne vieille crâle à mention, donc qui donne 2 PO, donc ça c'est très bon. 15 dommages, 29 puissance, 38 sagesse, 390 vitalité, 5 CC, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, pour comme trophée, pardon, j'ai pris forcené, donc pour avoir plus de force, ravageur terre, majeur pour avoir des dommages terre, furibond pour avoir de la terre, furibond majeur aussi, forcené aussi. Bon, certes, je perds beaucoup de vitalité, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire du punch, du putsch, juste pour vendre du rêve, donc on n'a pas besoin de vitalité pour ça. Et un ralentisseur majeur, ça je l'ai pris parce que je l'ai trouvé par terre, parce que sinon j'aurais pris un autre truc. Mais bon, voilà, je trouvais pas d'autres trucs qui donnaient de la force, donc j'ai pris ça. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé du stuff, je vais vous montrer mes stats. 3534 vitalité, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà bon pour un mode full terre. 338 sagesse, donc ça aussi c'est pas au top. Mais bon, j'avoue que au lieu du ralentisseur majeur, j'aurais pu prendre un Dofus Kawatt, mais comme j'en avais pas, j'ai carrément la flemme de faire la quête. Donc voilà. Donc on va se contenter de celui-ci. 1200 force, donc pile. Donc c'est vraiment pas mal. Donc et le reste, bah, c'est à cause des pare-choux. Ensuite, passons au détail. Donc j'ai 10 PA, 5 PM, donc un mode normal, disons-le. Une initiative vraiment faible de 1419. Ça c'est pas au top, mais c'est pas grave. 6 de portée, donc le maximum. Donc ça c'est vraiment très bien, surtout pour les cras. Donc voilà. 33 coups critiques. Donc avec tir critique, je suis 1 sur 2 partout. Donc c'est vraiment pas mal. 15 dommages, 182 puissance, 78 dommages nerf fixe, 92 dommages terre. Donc c'est vraiment pas mal. Et le reste, on s'en fout complètement. Les raids, ça je vais vous montrer ça en combat. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Non, voilà. On va faire un petit putsch. Je vais demander si Oyop s'il est dispo pour faire Brocule. Ah non, je lui demanderai plus tard. Pour l'instant, on va tester sans Brocule. Donc c'est parti. Donc pourquoi la carry? Tout simplement parce que la bécha c'est à 10 millions. Donc voilà quoi, j'ai pas assez de kama pour me l'acheter. Merde, comme un con, j'ai lancé de ses critiques trop tôt. Bon, mais c'est pas grave. Donc déjà, boum, le premier coup de punitive, moins 625, donc déjà là, ça fait très mal. Donc le deuxième coup, sans boost, on va voir. Boum, moins 1085, donc c'est vraiment pas mal. Donc on va juste réattendre le tir critique pour essayer d'avoir les... Putain, 1500 sans aucun boost, donc c'est vraiment pas mal. En plus, nos CC, donc pour avoir les petits 50 puissance. Et surtout que j'ai coup critique pas à la flèche punitive. Ouais. En plus, je suis 1 sur 2, donc ça c'est bizarre. Essayer d'avoir un petit coup critique. Non, ça veut toujours pas. Le jeu, il est en train de me troller. Hop. D'accord.
Ce sera pas long, les amis. Ah, voilà, enfin. Voilà, maintenant, on se full boost. Hop. Ah, merde. Yes. Ah, ça va. 3 coups critiques. 2 coups critiques sur 3, c'est pas mal. Donc, on va tester la petite flèche cinglante. Boum, moins 546. Donc, ça fait vraiment mal. Donc, maintenant, c'est le tour de la punitive. Donc, attention aux yeux. Bon, on voit déjà, je peux faire de combien à combien. Donc, mon Gmax serait de 1982. Donc, on va voir ce que ça va donner. Boum, 1840. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, une petite flèche destru. On va voir combien ça donne. Ah, dommage, nos CC. On va réessayer avec DCC. Voilà, moins 848, les gens. Donc, ça rox du poney, les gens. On va tester une petite flèche empoisonnée. Voilà, qui pense parfait en coup critique. Et on va faire une petite cinglante, tiens. Pour le lulz. Boum, moins 408. Avec une empoisonnée. Donc, sachant que ça dure 2 tours. Et que ça coûte seulement 3 PA. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça fait du plus de 800. Donc, voilà quoi. Ça gère, ça gère. Ensuite, ah oui, mon cac. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste attendre les boosts. Hop. Hop. Ah, dommage, pas de coup critique. C'est quoi? C'est dit, bon. On va voir. Boum. Ah, mauvais jet, dommage. Bon, après, je vais refaire un putsch seulement pour le cac. Donc, vous allez voir. Vous allez mieux voir. Donc, un sort, un stuff assez abusé, hein. Quand même, surtout pour le PVM, parce que pour le PVP, 10-5 c'est pas acceptable. Et surtout 3534 PDV non plus. Donc voilà. Mais pour le PVM, ça peut vraiment être bien. D'accord. Toujours pas beaucoup de coups critiques, mais c'est pas grave. On va essayer de faire beaucoup. Merde, pas de coups critiques. Pas de coups critiques non plus. Bon, on va réattendre les boosts. Et si ça fait pas un bouger, au pire, je demanderai un Yop qui brocule. What the fuck? Ah, d'accord, ça s'est tout lancé en même temps, il y a eu un petit bug. C'est pas grave. Hop, on va voir combien ça donne. Boum, encore un mauvais jet. Il y a eu un petit bon jet là. Boum, un moins 1419. Donc, je vais demander un Yop parce que là, j'ai pas atteint mon jet maximum. Donc voilà. Dédicace à Tix Vita. Donc un très bon joueur. Y a pas de. Dispo Brocle Putsch. Ah, ok. Thanks. Bon, ben on va attendre un putsch plus haut level. Voilà. Impec. Je vais dire pas. Parfait que. Parce que je vais dire ça parce qu'il y en a des fois qui me boostent. Donc moi je veux pas être boosté. Juste par mes sorts. Oh merde. Dommage, j'ai pas co-critique. J'ai pas co-critique au sort, j'ai juste co-critique à maîtrise d'arc. Donc c'est pas grave. Oui, s'il te plaît. Voilà, merci. Non, ça sert à rien, putsch. Parce que je tape au cac, donc putsch, ça sert complètement à rien. Boum, moins 1657, donc c'est vraiment épique comme cac. Je trouve vraiment pas mal. Mais Brocule égale pour tout truc. Et putsch égale que sort. Bon, ben vous savez quoi, vu qu'il a mis putsch, on va tenter une petite punitive. No boost premier tour. On va voir ce que ça donne. Ah non, peut-être pas une punitive, une destructrice, espérant que ça va cesser. Ah merde, dommage, ça a pas coup critique. Sinon ça aurait été bien pas mal.
Donc voilà, une petite cinglante à moins 540, ouais, c'est ça, moins 546 sans le putsch. Donc voilà. Bon ben les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve plus tard les gens. Allez, peace!